Bonsoir mes étoiles, c'est Lisa, bienvenue sur ma chaîne. Donc merci à tous nos nouveaux abonnés, merci d'être fidèles. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de vous abonner. Laissez-nous un petit like et des petits commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de la petite boîte à souffler pour y glisser des sachets de thé. Je ne sais pas si vous avez vu mon ouverture de courrier pour meilleur en échange. Thème pack avec Nathalie qui m'a fait cette magnifique création. Donc voilà, ici elle a mis un petit scratch. Donc là, on n'a pas encore bu tout l'été, hein. Vous voyez? Pochette à souffler dans lesquelles on peut glisser du thé. Donc c'est prévu pour 6 thés, 6 tisanes. C'est super bien fait, franchement. Donc c'est pas collé entièrement comme vous pouvez voir, hein. Ça fait vraiment un soufflet hein, si je le tire de chaque côté. Hein. C'est vraiment juste collé au milieu quoi. Et même sur le devant, le papier il est magnifique. Du coup on peut remplir facilement en fait la pochette à souffler. Je vais peut-être vous mettre de la lumière, vous verrez mieux, voilà. Du coup, je l'ai reproduit en mesurant, sauf que j'ai pris un papier 30,5 par 30,5 et qu'en fait, je ne l'ai pas rapetissé. Mais j'aurais dû penser à quelque chose et vous allez comprendre quand je vais vous le faire voir. Donc là, c'est avec mes petits dies nœuds. C'est un lot que j'avais acheté sur AliExpress, je n'ai plus le lien. Voilà, je fais les petits nœuds coordonnés avec mes papiers, papier de chez Action. C'était un vieux bloc où il y avait du violet. Donc là, je l'ai déjà réalisé une première fois. Sauf que j'ai pris des pages qu'on avait eues aussi dans un ancien bloc de chez Action. C'est du feuillage noir et blanc, puisque ça, c'est pas vraiment un papier qu'on utilise facilement. J'ai trouvé que pour faire une petite boîte comme ça, pour offrir du thé, eh bien, ça allait très très bien. Donc si vous avez du papier comme ça à feuillage blanc, vous pouvez facilement l'utiliser pour faire des pochettes à souffler. C'est top. On n'a pas besoin que ce soit trop. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc merci franchement Nathalie. Et merci à toutes aussi hein, pour toutes vos magnifiques créations que vous nous envoyez à chaque fois. Qui nous inspirent. Hein, et on essaie de refaire les tutos de tout ce qui nous plaît le plus, on va dire. Mais c'est même pas en fait le cas parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Tellement de choses qui nous plaisent. Et on n'a pas le temps. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est chic, c'est beau, c'est pratique. C'est magnifique. Ici, j'aurais juste dû du coup modifier la dimension pour faire correspondre jusqu'au haut du sachet. Puisque là, c'est un petit peu plus long. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Vous voyez, ça scratche bien. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va reproduire là, maintenant. Et si je vous fais voir la déco, c'est parce que je vais pas vous faire toute la déco avec vous, hein. Je vais coller les papiers, oui. Mais je me suis déjà quand même avancée un peu. Sinon, la vidéo serait trop longue. Allez! Prenez une petite tasse de thé, un petit café, un petit jus de fruit, quelque chose pour regarder cette petite vidéo ensemble. Et on va partager ce petit moment. Voilà, on s'y met. Du coup, de quoi allons-nous avoir besoin? Eh bien, je vais vous faire voir mes prototypes déjà. Donc là, c'est pour faire les pochettes à souffler. Vous voyez, j'ai marqué, il va vous falloir 8 papiers. 8 papiers qui vont mesurer donc en hauteur 19 cm, hein, 19 cm de hauteur sur 9 cm de largeur. Donc est-ce que je suis bien dans le champ de la caméra? Voilà. Je vous laisse faire une capture écran si vous voulez. 19 cm de hauteur par 9 cm de largeur. Sachant que d'ici à là, vous avez 5,5 cm. D'ici à là, 9 cm. Et d'ici à là, 4,5 cm. Donc, on va faire un premier pli à 5,5 cm. Un deuxième pli à 14,5 cm. Et ça, vous allez le faire 8 fois. Non, 6 fois. 6 fois. 6 pochettes. Excusez-moi. Oh là là, c'est la fatigue. 6 pochettes. Donc, 6 fois. Donc moi je me suis déjà avancée comme vous pouvez le constater. On va quand même en faire une ensemble. C'est très simple. Vous voyez. Ça, moi, c'est mon derrière. Hein. C'est ce que je veux qu'il soit ici.
Alors, je vais prendre tout simplement mon massicot. Je retourne mon papier puisque celui-là, je veux qu'il soit à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, faites attention s'il y a un sens à votre motif. Moi, c'est que des feuillages. Donc, il n'y a pas particulièrement de sens. Là, ici, donc, le pli est à 5,5 cm. On se place ici. 5,5 cm. On fait attention à ne pas prendre la lame qui coupe, hein, mais bien la lame qui plie. Et ensuite, ici, on se place à 14,5 cm. C'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a fait ça, on enlève notre massicot. Donc, on va reprendre le premier pli. Vous voyez, vous pliez doucement les papiers. Vous n'appuyez pas. Regardez comment moi j'appuie. Vous n'appuyez pas sauvagement pour éviter que ça craque. Hein. C'est du papier de chez Action. Donc voilà. Après, j'appuie tout doucement dessus. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on ne voit pas bien les plis avec ce papier-là. C'est. Il y a des fois des papiers qui sont un peu durs à utiliser, comme ça c'est très le feuillage est très dense. Mais si on l'utilise comme ça pour faire des pochettes à souffler, ça peut être une idée aussi. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai fait voir ça avec ça. Ensuite, je mets de la colle de ce côté-là, puisqu'en fait, ici, on a 5,5 cm. Et là, enfin 5,5 sont ici. Les 4,5 sont ici. Donc je mets de la colle sur la plus petite des parties, puisque la grande partie, je vais la rabattre par-dessus. Donc là, si le motif ne se rejoint pas, c'est pas grave, puisqu'en fait, on va pas voir, ça va être collé. Et en fait, ça va nous former la pochette à souffler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sur la partie qu'on vient de coller ici, moi, ce que je fais aussi, ce qui peut vous aider, hein, c'est qu'on va faire un repérage, parce qu'en fait, on va devoir mettre de la colle au milieu. Donc vu que ça fait 9 cm, il faut qu'on fasse un trait à 4 et un trait à 5. Ici, je descends un peu plus, je cherche un endroit où je puisse voir les traits que je vais faire. Peut-être plus ici, hein, de toute façon, c'est pas grave. C'est juste pour vous donner un repérage. Donc ensuite, comme ça, je trace avec vous, hein, pour vous faire voir. Si vous êtes sûr de vous, vous allez vraiment pouvoir mettre au milieu. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'en fais, donc je préfère faire des petits repérages. Pour m'habituer, pour avoir un peu plus l'œil dans le compas. Donc là, voilà, j'ai fait la bande de collage. Donc ici et là, entre là, c'est ici et là qu'on va mettre de la colle. C'est pour ça que sur toutes mes petites pochettes à souffler, voilà, j'ai déjà préparé les traits, hein, au milieu et je vais les coller tous dans le même sens. Donc voilà, ici, on voit qu'il y a la colle. Donc on va faire en sorte de mettre toutes dans le même sens. Là, ce sera comme ça aussi. Pareil ici, faites attention. Hein. C'est le plus joli, hein, c'est de vraiment les mettre dans le même sens. J'ai pas fait de repérage devant. Ah si, ici. Voilà, j'ai fait un repérage des deux côtés puisque c'est la pochette que je vais coller en première. Donc c'est celle-ci. Et là, si on les met toutes, vous voyez déjà, on voit que c'est formé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre celle-ci, la première, où j'ai fait des deux côtés une petite bande de repérage. J'y mets ma colle. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais prendre. Donc j'ai pas regardé de tuto, j'ai vraiment juste pris la boîte que Nathalie m'a faite et j'ai pris les mesures de sa boîte. Donc voilà, Nathalie, si tu as suivi un tuto, ben je te laisse nous préciser le lien. Je ne t'ai pas demandé le lien de quelle vidéo tu as regardé, je sais pas. Franchement, il y a tellement de youtubeuses qui font ça. Puis à force de faire du scrapbooking, c'est vrai que quand on reçoit des modèles, des créations que vous nous avez fait, la chance qu'on a eue de recevoir vos magnifiques créations, et eh bien on peut se permettre de les reproduire sans suivre de tuto. Vous voyez ici, ça a collé. Donc là, je peux pas trop vous faire voir, je vais pas tirer dessus. Donc il faut toujours mettre dans cette petite bande, en fait, vraiment au milieu, faire une petite bande de colle.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, hein, vous pouvez bien entendu mettre du double face. Ça ira certainement beaucoup plus vite. Alors moi, je me mets bien droit, je positionne bien droit. C'est pour que les pochettes soient alignées, en fait, qu'il n'y ait pas d'écart, que ça fasse joli. Pour ça que je ne les colle pas tout de suite à plat. Je prends vraiment le temps, je mets la colle, je pose et ensuite je les relève pour vraiment pouvoir avoir un joli rendu, pour vraiment que ce soit bien. Bien mis de chaque côté, bien aligné. Voilà. Donc là, on remet de la colle toujours. Vous ne voyez pas forcément les traits, je sais. Mais je pense que vous comprenez le système. Donc il faut prendre son temps. Faut pas vouloir aller trop vite. Mais franchement, c'est génial. C'est top. Voilà. On peut le faire aussi avec des enveloppes. On peut faire en format plus grand. Hein. Vous pouvez les utiliser pour envoyer des embellissements, des die-cuts. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est pas simplement que pour du thé, on peut adapter les formats. Donc là, c'est pareil, je remets entre les deux petits traits que j'ai formés de la colle. Franchement, c'est ça le système de la boîte. Si vous avez compris ce système-là, franchement, tout est simple. Après, c'est que de la décoration. Faut juste faire la boîte hein, pour entourer la création. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment très simple. Là, je crois que je l'ai collé à l'envers. J'ai dû la coller à l'envers parce que j'ai plus le papier. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais reprendre mes mesures. Voilà, j'ai pas fait attention. J'ai parlé, 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 parlé. Et j'ai zappé. Comme quoi, il faut faire attention. J'étais dans mes pensées, j'étais en train de me confier avec vous. Et voilà. Donc là, c'est pas grave. On fait toujours pareil entre 4 et 5. On fait un trait. Et hop, entre 4 et 5, on fait un trait. Et on y met la colle. Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai quand même mon point de repère. Je sais quand même où je fais. C'est pour vraiment y mettre la colle au même endroit hein, que je fais ça. Donc là, je pose. Ensuite. Vous voyez, j'aligne ici, j'appuie bien et là aussi. Et je tasse vers le bas pour être sûr que mon papier est bien collé. Et là ici, j'appuie avec le plioir pour faire adhérer. Bon bah là, hein, rien de compliqué, le système de soufflet est fait. Alors là, voilà. Vous voyez. Les six pochettes sont assemblées ensemble. Et le rendu comme ça, je trouve ça trop joli avec du feuillage comme ça sur les côtés aussi. Hein. Donc pour ça, faut pas hésiter à utiliser vos papiers à motifs que vous avez un petit peu de mal à utiliser avec le système de pochettes à souffler. Comme ça a fait un rendu très très joli, je trouve. Ensuite, eh bien, on va prendre notre base. Donc si vous prenez un format A4, il y aura cette mesure-là. Si vous prenez un format plus grand 30,5 par 30,5, il y aura ici la hauteur qui va être modifiée. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous ai dit, ici en fait j'aurais dû légèrement modifier en fait du coup le ici j'aurais dû faire plus haut en fait ma boîte, mais bon ça ne choque pas puisque là on a un petit peu plus en centimètres. Mais bon, après c'est un petit détail. Hein. Moi j'adore, franchement je trouve ça vraiment chic et top. C'est génial à faire. Ça peut avoir un rendu suivant les papiers, vraiment du tonnerre. Donc, est-ce que vous allez voir toute la page ou est-ce qu'il faut que je remonte un peu? Attention, ouais, je pense qu'il fallait que je remonte un tout petit peu. Désolée si je vous ai fait bouger. Donc ici, moi, j'ai gardé toute la hauteur de la page 20 A4, donc 29,7 cm. Je vais mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, donc 29,7 cm. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, la largeur, c'est 10 cm, 10 cm de large. Donc on a ici 8,5 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm à nouveau et du coup, soit 5,2 cm si c'est un format A4 ou 6 cm si vous avez pris une page 30,5 par 30,5. Ça veut dire qu'on va faire un premier pli à 8,5 cm,
un deuxième pli à 11,5 cm, un troisième pli à 21,5 cm et un dernier pli à 24,5 cm. Donc je vous laisse faire une capture écran si vous avez besoin, parce que je pense que vous n'avez pas pu voir. Je n'ai pas pensé à mettre l'autre à côté. Voilà entièrement les papiers. Donc jusque-là, je pense que tout est simple. Ensuite, on va reprendre notre base. Donc moi ici, vous allez voir, si je le mets côte à côte, on s'aperçoit bien que du coup, c'est 30,5 cm de hauteur. Donc je vais faire avec mon massicot un premier pli. En fait, je vais suivre l'exemple. C'est ce papier-là que je veux à l'intérieur. Donc c'est à vous de choisir quel papier vous souhaitez avoir à l'intérieur de votre boîte. Moi, c'est celui-ci qui me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est celui-là que je vais garder. C'est pour ça que je fais les plis de ce côté-là. Donc on a dit un premier pli à 8,5 cm. Donc on appuie. Là, je vais ouvrir. Voilà. Un deuxième pli à 11,5 cm. Voilà. Un troisième pli à 21,5 cm. C'est pas très pratique, une fois que j'investisse dans un autre support pour téléphone qui soit posé sur la table au lieu qu'il soit posé sur le trépied de chez Action, parce que voilà, c'est les lumières de chez Action. Et le dernier, 24,5 cm. Voilà. Donc on va avoir notre 4 plis, sachant qu'ici, moi, je vais arrondir les angles tout de suite, puisqu'en fait, c'est le rabat pour fermer ma pochette. Donc ça, c'est la Punch Corner de chez Action. Il y a plusieurs modèles de perforatrices. Vous n'êtes pas non plus obligé d'arrondir les angles. C'est simplement que je trouve que ça évite que la boîte s'abîme. Donc comme tout à l'heure, vous allez voir, ici on sent qu'il y a un pli, mais voilà. Vous voyez, j'appuie légèrement comme ça dessus. Et une fois que le pli est fait, voilà, c'est pas grave. Après, j'appuie sur le côté avec mon plioir, hein. Je vais faire de même avec l'autre, qui se trouve ici. Voilà, j'appuie plus loin. Alors je sais, ça va être un petit peu difficile parce qu'on ne voit pas bien les plis du fait que ce soit du feuillage et qu'il soit assez dense. Là, c'est de la même chose. Et le dernier pli ici. Voilà. Donc là, la boîte, elle est bien formée. On retrouve bien ce qu'il va faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai préparé du papier déco parce que la face extérieure de cette boîte, moi, je vais la décorer. Je la laisse pas comme ça. Et je vais utiliser du coup, puisque c'est du feuillage, du papier vert, c'est pareil. Donc le même papier, j'ai mis des lettres pour avoir des repères. Alors, le premier papier qu'on va devoir utiliser, c'est un papier qui va faire 8,4 cm de hauteur sur une largeur. Alors, comme ici, on a 10 cm. Moi, je les ai coupés à 9,8 cm. Voilà, donc ici, c'est pour la dimension 8,5. Donc, j'ai coupé à 8,4. Ce que je fais avant de coller, c'est que je vérifie que le prochain que je vais coller soit bien dans le bon ordre. Voilà, c'est juste si c'est un papier à motif que vous utilisez. Eh bien, faites en sorte que les motifs soient bien collés les uns après les autres. Hein. Ça fera plus joli pour vos boîtes. S'il n'y a pas de motifs, tant mieux. S'il y a des motifs, faites attention, franchement. C'est au niveau du rendu. Donc ici, je vais bien mettre au bord de ma boîte. Donc c'est la première partie qu'on va coller qui va déterminer si on a bien. Donc là, c'est pareil, vous utilisez soit du double face, soit de la colle, si on s'est bien positionné. C'est pour ça que je me sers vraiment du bord là aussi, puisque là, ça va changer déjà le papier. Vous allez beaucoup mieux voir en fait le reste. Je prends la partie B, donc c'est ici 3 cm le pli. Du coup, j'ai coupé mon papier à 2,8 cm. Donc là, c'est pareil, j'y mets de la colle.
J'enlève 1 mm, 2 mm. En fait, ça va dépendre des créations que je fais. Ça va dépendre. Voilà. Si c'est des cartes, généralement, j'enlève un peu plus. Et si c'est des boîtes, j'essaye de laisser un peu plus. Donc là, je vais regarder si je suis bien positionnée. Est-ce que c'est à peu près pareil? Ouf, faut que je descende un peu. Non, je pense que là, c'est bon. Et là, on se rend compte, en fait, les papiers à motifs, c'est très joli quand on les utilise sur des boîtes comme ça, géométriques. En tout cas, ça, c'est géométrique. Voilà. La partie C, donc 9,8 cm, puisqu'ici, on a 10 cm entre les deux plis. Donc, j'ai enlevé 2 mm. Rien de bien compliqué. Alors, si c'est du thé en vrac ou de la tisane en vrac ou même du café, c'est sûr, ça va être un peu plus compliqué à envoyer comme ça. Donc, il faudra faire un autre support, bien entendu. Je pense pas que tout le monde. Je ne sais pas ce que vous buvez. Je ne sais pas si vous êtes plutôt thé, café, tisane, ce que vous aimez. Vous pouvez le marquer aussi en commentaire. Qu'est-ce que vous buvez? Vous buvez quoi? Moi, je vous le dis, je bois 3 cappuccinos par jour, plus du thé si j'ai encore soif dans l'après-midi et tisane au soir. Voilà, j'essaie de boire pas mal quand même. Et j'avoue, j'aime pas le sirop. J'aime pas trop les jus de fruits. J'aime pas trop les boissons gazeuses. Donc voilà, ça limite vraiment tout, tout, tout. C'est comme ça. La partie D fait aussi 2,8 cm, puisqu'ici on a 3 cm. Voilà, tout simplement. Là, c'est pareil, le motif se suit. Je fais attention à être bien entre les deux plis. Là, on sent bien qu'il y a les plis. Je vais faire en sorte de bien faire adhérer mon papier. Et surtout, faites attention à ne pas coller trop près de vos plis. Hein. Vérifiez bien, hein. Vous pouvez plier au fur et à mesure que vous collez pour vérifier que vous n'avez pas mis sur les plis. Hein. Ça, c'est important parce que sinon, après, vous allez être gêné pour coller vos boîtes. La dernière partie, 5,8 cm, mais avant de la coller comme ça, il faut arrondir nos angles. J'ai oublié d'arrondir les angles. Voilà. Donc là, je vais arrondir les angles. Alors pourquoi 5,8 cm? Tout simplement parce que moi ici j'ai 6 cm, hein, c'est ce que je vous disais. C'est un papier 30,5 par 30,5, donc il est plus grand, hein, donc c'est pour ça que moi mon papier fait 5,8 cm. Parce que quand j'ai reproduit la première fois en fait, hein, j'avais fait trop court mon papier. C'est pour ça qu'ici j'y ai mis un washi. Et du coup, à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait la même erreur. Mais les erreurs peuvent être camouflées, les erreurs peuvent être réparées. Voilà, ça fait joli et chic aussi d'avoir mis un washi. Si je ne vous explique pas, vous ne pouvez pas savoir qu'en fait, c'est simplement parce que mon papier, il est trop petit. Vous voyez, il manque un petit bout ici. Bah, du coup, avec le washi, ça passe nickel, on ne voit plus rien. Donc là, maintenant, je vais y mettre de la colle. Ça peut être une astuce hein, aussi, hein. Notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, voilà les papiers. Mettez si c'est le bas, si c'est le haut, si c'est à gauche, si c'est à droite. Hein. Enfin, mettez des lettres si vous préférez. Voilà. Essayez en fait de vous organiser et de vous retrouver comme vous. En fait, c'est le plus pratique pour vous. Hein. Pour ça que je vous fais voir aussi que moi, ça m'arrive aussi. S'il y a beaucoup de papier comme ça que j'ai collé à la chaîne, de noter pour pas me tromper dans l'ordre, puisque c'est quand même motif géométrique. Alors même si on va pas voir tout comme ça d'affilée, c'est quand même plus joli, c'est plus harmonieux si c'est dans le même sens. Donc du coup, quand on retourne ici à l'intérieur, c'est ce feuillage-là, je le trouve super joli. Donc là, pareil, 5,8. Donc ici, c'est la partie F, et vous voyez, là, on a la partie G. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner les deux ensemble pour voir c'est lequel qui colle l'un avec l'autre. Celui-là, il colle pas ici.
Donc c'est peut-être deux parties séparées, hein. C'est peut-être pas assemblé. Oui, non, c'est séparé. Donc il n'y a pas d'importance. Donc ici, je vais prendre la partie G 2,8 cm. Et je vais la coller d'abord et ensuite je vais coller l'autre partie. Donc là, comment on se repère? Eh bien, voilà. Tout simplement, vous appuyez ici pour voir légèrement. Moi, j'arrive à voir. Donc, je vais vérifier quand même. Là, je suis trop près de l'autre trait. Oui, là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ici, c'est soit je le mets comme ça contre. Oui, ça va être pas mal, on va faire ça. Donc je vais arrondir ces angles ici. Je vais y mettre de la colle. Bon, ça renforce la boîte, hein. La boîte, elle devient solide si vous faites un matage à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, ici, j'en fais pas parce que les parties du bas et sur le côté, ça sert à rien. J'appuie bien. Voilà, c'est joli. Donc on va reprendre le soufflet. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est au sens que l'on a. Donc là, on voit les pochettes. Donc c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Quand on tire, voilà. Donc on va reprendre la pochette dans ce sens-là. On va mettre d'abord la colle ici. Donc entre les deux traits. Est-ce qu'on va les voir? C'est là. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible, hein, pour vous faire voir où sont placés. Mais c'est au milieu, hein, vous reprenez ça. Qu'est-ce que moi je fais en fait? C'est j'essaie de l'aplatir un peu. Mais surtout, c'est ici. J'essaie de le fermer. Vous voyez, je le ferme, je pousse. Alors, est-ce qu'on va se mettre plutôt comme ça? Voilà. Je sais, je ferme. Et je pousse ici, là. Je regarde que je suis bien au milieu de chaque côté. Vous voyez, je pousse en fait. Je pousse mon papier vers le fond et en même temps, je maintiens le fond. Voilà, je pousse sur le papier. Là, vous voyez, j'ai appuyé. Voilà. Donc déjà, on s'aperçoit du mouvement à ressort. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va mettre de la colle là. Et c'est pareil. On va faire adhérer cette partie-là. C'est vraiment hyper simple. Après, je ne vais pas les customiser plus parce qu'en fonction, bah, les boîtes, je les offrirai à certaines occasions et en fonction des personnes, je les décorerai. Mais je trouve que le vert pour offrir des sachets de thé, c'est super joli. Donc là, ici, j'appuie aussi pareil. Donc là, par contre, je me suis trompée. J'ai mis de la colle un petit peu trop bas. Là, je vais essayer d'enlever le surplus de colle. Oui, c'est ça, faites attention, faites pas la même erreur que moi. Voyez, là c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour faire adhérer la colle. Donc moi, tout simplement, je le retourne comme ça. Ça va faire du poids sur mon petit système et ça va permettre que ça colle. Ensuite, vraiment, c'est uniquement de la décoration. Je reprends celui de Nathalie qui est magnifique, hein. Vous voyez ensuite vraiment vous décorez comme vous voulez. Hein. Regardez-moi, super joli. Hein. Franchement, l'assortiment de papier comme ça, c'est sublime. Elle a refait une fois le papier fleuri, une fois le papier à petits points, une fois le papier fleuri. Excusez-moi, il est tard, hein. Un peu fatigué. Le papier à rayures comme ça, donc c'est super chic. J'adore franchement. Et moi, du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre. Là, c'est parce que je l'ai mal posé ma petite boîte. C'est pour ça que mon nœud il est arrivé un petit peu. Donc voilà, ça fait vraiment l'effet du feuillage. Alors je ne sais pas, du coup, vous me mettrez en commentaire celui que vous avez préféré. Hein.
Si c'est vous êtes la team pour le petit avec des papiers géométriques verts, ou si vous êtes plutôt comme Nathalie avec ce joli petit lapin tout choupinou. Moi j'adore les deux, franchement j'aime tout. C'est vraiment super joli tout ce qu'on peut faire. Ça dépend vraiment en fait du papier qu'on va utiliser. En tout cas, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Ça m'a fait énormément plaisir. Et j'espère qu'à vous aussi. Et on se retrouve très vite pour des prochains tutos, des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite mes étoiles. Bisous, bisous!